the message. Arrière-grand-père était un grand sorcier ou encore, je sais pas moi, un grand franc-maçon. Ok? Et dans ses alliances, il fait des pactes avec des esprits. Et pour rompre ces pactes, il doit donner sa vie. Ok? Et ces pactes ne le concernent pas juste lui, ça concerne lui et toute sa descendance. Lui, il meurt. Les enfants viennent au monde. Sans t'en rendre compte, tu ne sais pas par quel chemin tu as fait pour y arriver. Toi aussi, tu deviens aussi franc-maçon. Et de père à fils, vous êtes dans cette affaire-là. Voilà maintenant qu'un jour, toi, tu rencontres Jésus-Christ. Et tu dis, je sors de cette affaire-là, mon ami. L'esprit en question va dire, tu penses que tu sors de ça comme ça. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus, mais assure-toi que tu as compris l'affaire du sang de Jésus-là. Parce que si tu n'as pas compris ça et que tu ne fais pas un travail pour couper les liens, tu es mort. C'est comme ça que des idoles arrivent à atteindre certaines familles, certaines personnes. Alléluia! Être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Regarde, il y a un passage dans la Bible que l'on connaît par cœur, mais on n'a jamais compris, pour beaucoup en tout cas, vous n'avez jamais compris pourquoi Jésus-Christ a prononcé cette parole. Alléluia, dis avec moi l'iniquité. Il y a quelque chose que j'ai appelé positionner pour l'iniquité. Il y a un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 22. Jésus-Christ dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ne sommes-nous pas arrivés à l'église à l'heure? N'avons-nous pas chanté dans la louange? N'avons-nous pas prêché l'évangile? N'avons-nous pas organisé des campagnes d'évangélisation? N'avons-nous pas fait ci? N'avons-nous pas fait ça? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oh, mais comment est-ce que je peux prophétiser, chasser les démons, faire des miracles, et puis tu dis encore que je commets l'iniquité? C'est parce que tout simplement, il y a une différence entre le chrétien rempli du Saint-Esprit qui sait que sa nature est pécheresse, mais qui va s'efforcer de mettre en pratique la parole de Dieu tous les jours parce qu'il sait qu'il est sauvé en espérance et il doit arriver à avoir la victoire jusqu'à la fin. Il y a une différence entre lui et celui qui se dit chrétien, soi-disant, et qui fait des choses en tant que chrétien, mais qui ne met pas correctement en pratique la parole et qui se retrouve à faire des choses et à venir demander pardon à Dieu tous les jours à l'église. Vous n'avez pas vu souvent ce genre de choses, alors que celui qui a péché se lève et puis vient devant. Et puis il y a des gens, chaque dimanche, il vient toujours devant. Chaque dimanche, il vient demander pardon. Chaque dimanche. Dès qu'on dit avant, et puis au bout d'un moment, les frères et les soeurs disent, mais le frère là, tout le temps, il s'avance. C'est comment? Tout le temps, il est dans le péché ou quoi? Etc. Parce qu'il n'arrive pas à se délivrer de lien. Et tu vas dire que, mais Seigneur, j'étais chrétien toute ma vie. Mais c'est vrai, je n'ai jamais pu me délivrer de ces choses-là. Jésus-Christ va dire,
retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. En fait, c'est pas que tu commets l'iniquité, c'est que tu as été positionné dans l'iniquité et tu n'as jamais su comment faire pour sortir de là. Et ces esprits t'ont pressé toute ta vie avec cette affaire-là. Parce que tu n'as jamais pris le temps de faire un travail. Quand on dit opération Néhémie à l'église et toi tu fuis. Quand on dit viens faire un travail de délivrance, tu fuis. Il y en a, vous n'êtes jamais passé par la délivrance. Mais la nuit quand vous allez dormir, vous voyez des choses, vous vivez des choses, mais vous avez honte. Quelqu'un par exemple, tu es en Christ et il y en a beaucoup dans l'église. Ils sont en Christ, ils sont là, ils disent qu'ils aiment le Seigneur, mais dès qu'ils sont dans le secret, ils se masturbent. Regardent des films pornographiques, mentent, volent. Ce sont des liens d'iniquité qui sont là assis dans leur vie. Et ils n'arrivent pas à couper ces liens. Alléluia. Mais il y a un moyen de couper ces liens au nom de Jésus. Et ces liens, on va les couper à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Ah, regarde, la Bible nous dit ceci encore dans le livre de Luc au chapitre 22, verset 31. Jésus-Christ s'apprête à partir. Je commence à atterrir. Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah, Simon, est-ce que tu sais que le diable t'a réclamé? Simon, est-ce que tu sais que Satan veut ta peau? Ton voisin qui est là assis à côté de toi, est-ce que tu sais que Satan le réclame? Pourquoi? Parce que quand Satan le regarde, Satan voit quelque chose qui est à lui dans sa nature pécheresse. Ok? Satan vous a réclamé. Mais comment faire pour vaincre les réclamations démoniaques? Comment faire pour vaincre les réclamations des autels? Jésus-Christ nous donne la solution. 1. Il dit quoi? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Hein? Et toi, quand tu seras converti. La première clé pour vaincre les réclamations démoniaques, c'est de se convertir sincèrement. Là encore, j'ai un problème avec des gens qui disent qu'ils se sont convertis, mais quand tu regardes leur vie après, leur vie ne suit pas la parole de Dieu. Ils ne se sont pas convertis. Quand quelqu'un s'est sincèrement converti, la parole de Dieu est devenue une lumière pour lui dans la vie. Alléluia. Il ne négocie plus avec le péché et avec l'iniquité. Il a décidé d'abandonner son ancienne vie. Et il a décidé de se repositionner maintenant au vu de la justice de Christ et de la nouvelle alliance qu'il a avec le Seigneur. Alléluia. Mais lorsque tu dis je suis en Christ, mais je continue à laisser le péché dans ma vie, ta position n'a pas changé. Elle est restée attachée à l'iniquité et au péché et aux fautes. Et les esprits ont toujours un droit légal de te réclamer. Alléluia. Mais quand quelqu'un a décidé de se repositionner par rapport à la justice, même si les esprits se réclament, c'est de sa position. Il va regarder à Christ. Christ va dire, tu es assis à la droite avec moi. Et à la droite de Dieu, maintenant, quand tu élèves la voix depuis ta position, quand tu dis quelque chose, les esprits écoutent et reculent. Mais lorsque tu prononces une parole d'autorité et que l'esprit te regarde et il voit que ta position est toujours celle de l'iniquité, celle du mensonge, celle du péché, celle de l'adultère, il ne recule pas. Au contraire, c'est lui qui avance. Alléluia. Voilà pourquoi avant de venir dire des paroles dans la prière, le combat spirituel, je coupe les têtes, je fais ci, je fais ça, etc. Je renverse les autels, etc. Assure-toi que tu es dans la bonne position. Assure-toi que tu es positionné par rapport à la parole. Tu es en phase. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup n'arrivent pas à être délivrés des autels. L'iniquité, c'est une position. C'est une position dans laquelle nos parents nous ont mis. Ok? Et on vient dans la famille dans cette position d'iniquité, dans cette position de faute. C'est-à-dire qu'on est dans une prison. Mais lorsque l'on vient à Jésus-Christ, lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, lorsqu'on donne notre corps à Jésus-Christ, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Jésus-Christ, par la puissance de son sang, nous repositionne spirituellement. Et quand il me repositionne spirituellement, c'est maintenant depuis ma position que je peux commencer à couper les liens. Alléluia.
Oh, c'est parce que je suis assis à la droite de Dieu que je peux élever la voix et dire, le Seigneur m'a donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À partir de maintenant, je prends autorité et je déclare et je décrète que tous les liens d'iniquité qui me lient à mon père, à mon arrière-grand-père, etc., je les coupe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que toutes les femmes avec qui j'ai couché dans ma vie, qui me liaient à elles, à leur sang, toutes les femmes avec qui mon âme s'est attachée au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit et du sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que le sang de Abel, je déclare et je décrète que ces liens sont coupés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'on fait le travail. Alléluia. Yeah. Si mon père était menteur, si mon père était tueur, meurtrier, si mon père était lié à des démons, à des idoles, et que ces idoles avaient un droit légal sur lui, je déclare et je décrète que l'asservissement de ma famille s'arrête à partir de moi au nom de Jésus. Et tous les descendants qui vont venir après moi sont bénis au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que je fais le travail. Alléluia. Ouais. Et quand tu vois certaines choses qui se manifestent dans ta vie, certaines choses qui parlaient contre ta famille, tu prends autorité. Par exemple, tu peux te rendre compte dans certaines familles qu'il y a des schémas démoniaques qui ont été posés. Par exemple, il y a une famille aux États-Unis, la famille Kennedy par exemple. Cette famille, de génération en génération, tous ceux qui s'engageaient en politique mouraient assassinés. Tous les hommes qui s'engageaient en politique et qui avaient une percée mouraient assassinés. C'est un schéma démoniaque. Dans certaines familles, on va te dire que chaque premier-né meurt avant 50 ans. Donc, il y a des familles, on va te dire que toutes les femmes ne se marient pas. Il y a des familles, tu vas te rendre compte que de arrière-grand-père à père à enfant, etc., on meurt toujours du diabète. Dans certaines familles, tu vas voir que tous les enfants qui sont à la troisième position, il y a l'aîné, le deuxième et tous les troisièmes, à chaque fois, ils doivent toujours souffrir d'une certaine maladie, etc. On ne comprend pas pourquoi. Mais quand tu es repositionné en Christ, tu as le pouvoir d'arrêter ça au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la parole. Alléluia. Il faut savoir qui tu es. Et il faut comprendre la parole. Hein? Je peux avoir reçu un transfert génétique de mes parents. Je peux avoir hérité de certains comportements, mais je peux décider par la puissance de la parole et par la puissance de mon repositionnement en Christ que ça s'arrête là. Alléluia. C'est pour ça que vous ne devez pas accepter certaines choses qui se passent dans vos familles. Quand vous entendez certaines choses qui se passent dans vos familles, entre de frères, de père à fils, de frère à frère, de sœur à sœur, quand vous entendez certaines choses, et vous devez tout de suite identifier des esprits qui travaillent, et vous devez rentrer dans la prière et arrêter ces choses-là. S'il faut réunir la famille, vous réunissez la famille. Mais tu sais que même quand tu réunis la famille, si tout le monde ne s'est pas repositionné en Christ, le travail va être compliqué. Ouais. Alléluia. Yeah. C'est la rentrée à la Digital Business School, la première école supérieure des métiers de l'Internet et de la communication numérique. Formez-vous en 5 ans au métier du numérique. Décrochez au bout de 3 ans votre bachelor en communication digitale, infographie, e-commerce, programmation web et montage vidéo. Et décrochez votre master 1 et 2 en marketing digital et médias sociaux au bout de 5 ans. Devenez un expert de la communication numérique. La Digital Business School, admission en première année ou en formation continue. Préinscription dès la première année au 05 30 46 94 05 30 46 94 ou directement sur notre site internet www.dbsgabon.com. La Digital Business School, nous sommes situés à Agondje avant l'entrée de la première cité, au-dessus de la salle de jeu Planet Games. La Digital Business School, inscrivez-vous dès maintenant, n'attendez plus. Alléluia. Yeah. Regarde ce que la Bible te dit.
La Bible te dit d'abord que dans Jérémie 31, verset 31, les chants, est-ce que vous pouvez monter s'il vous plaît? Jérémie 31, verset 31, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, c'est-à-dire avec les fils. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Plus loin, au verset 34, il dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu était en train de parler à l'avance de ce qu'il allait faire pour l'Église. Donc, il n'y a qu'un seul moyen de recevoir le pardon des iniquités de nos pères, c'est en Christ. Tant que quelqu'un n'est pas en Christ, il ne peut pas recevoir le pardon des iniquités de ses pères. Tu peux être dans n'importe quelle religion, tu peux être de n'importe quelle famille, tu peux être franc-maçon, tu peux être sorcier, tu peux être musulman, tu peux être athée, tu peux être blanc, américain, canadien, chinois, tu peux être hindou, je ne sais pas. L'affaire du transfert des iniquités là, tu ne peux pas recevoir le pardon des iniquités de tes ancêtres. Et tes enfants vont subir les jugements de leurs ancêtres, toi-même et tes enfants. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a qu'un seul sang qui peut recevoir le pardon des iniquités, c'est le sang de Jésus-Christ. Un seul. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 53, il dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Seulement par le sang de Jésus-Christ que les iniquités peuvent être lavées et complètement pardonnées. Alléluia. Et quand je viens à Christ, le Seigneur Jésus-Christ me repositionne à ma position initiale, celle que Adam avait perdue. Alléluia. Et chaque fois que Satan veut tenter quelqu'un, il le tentera toujours par les iniquités. Regarde, je te donne un exemple. Même Jésus-Christ a subi ça. Qui était le père de Jésus-Christ? Son ancêtre, c'était qui? Son ancêtre, c'était Adam. Ok? Jésus-Christ a été tenté sur le même terrain que Adam. D'abord, Jésus-Christ a été tenté par trois choses. La première, il a été tenté par la faim parce qu'il sortait de 40 jours de jeûne. Donc Satan le tente sur ça parce que son corps a faim. Ok? Mais Jésus-Christ, Satan va identifier deux gènes en lui. Satan va identifier deux gènes en lui qui étaient dans son ancêtre. L'orgueil et la soif de pouvoir. Satan va dire, si Adam avait ça, je pense que toi aussi tu as ça. Et Satan va le tenter par rapport à l'orgueil et Satan va le tenter par rapport au pouvoir. Mais comment Jésus-Christ va repousser la tentation? Par la parole. Le pouvoir est dans la parole. Alléluia. Le pouvoir est dans la parole. Donc, si tu as des pulsions, si tu as des combats, si tu as des luttes, ou s'il y a des autels qui parlent contre toi, la meilleure arme que tu puisses utiliser, c'est la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Et tu prends la parole de Dieu et tu la proclames dans la prière. Je t'assure, il n'y a aucun esprit qui peut résister à la puissance de la parole qui est prononcée dans la prière avec foi. Aucun. Si tu as un esprit de mort qui agit dans ta famille ou bien qui veut te détruire toi, tu te positionnes, tu te repositionnes dans la parole en étant converti à Jésus-Christ, convaincu que ce que tu es sauvé en Jésus-Christ, et tu prends cette parole et tu bastonne cet esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ouais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, tu dois rentrer dans un travail. Si par exemple aujourd'hui, malgré tout ce que tu as fait, tu es toujours dans le manque, tu es toujours dans la précarité. Pourtant, tu essaies de bien gérer ton argent. Pourtant, tu essaies de faire des choses, mais tu n'arrives jamais à prospérer, etc. Je ne dis pas que le manque de prospérité ou la précarité est certainement dû à un transfert génétique, etc. Mais tu vas rentrer dans la prière et tu vas dire,
Seigneur, je vais faire un travail. S'il y avait des liens qui me lient à mon passé, s'il y a s'il y a eu un transfert d'iniquité, un transfert génétique qui affecte ma prospérité. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 8, au verset 7, que ton ancienne prospérité sera peu de choses à la nouvelle. La parole déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi par sa pauvreté. Je prends la parole de Dieu et je commence à prier par rapport à ma prospérité. Je brise l'esprit de pauvreté dans ma vie. Je brise tous les liens de pauvreté qui me liaient à mon passé et à mes ancêtres. Si dans ma famille, tous les gens de grand-père à père à fils ont toujours été pauvres, je déclare et décrète qu'à partir de moi, la richesse commence. À partir de moi, la prospérité commence. Je fais la différence. Je suis distingué. Dieu me démarque par ma prospérité insolente au nom puissant de Jésus-Christ. Tu commences à parler à ta descendance. Tu commences à parler à ton corps. Et s'il y avait une structure génétique qui me causait des problèmes, je déclare et décrète par la puissance de la parole et des bonnes habitudes qu'il y a une restructuration de mon homme spirituel au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que tu peux te lever avec moi? On va prier. Alamasata labrasuka. Kerebosa. Ah. Lirebosa dalababae. Ah. Je veux que tu commences à élever la voix sur la base de la révélation que tu as reçue. Et sur la base de cette révélation que tu as reçue, je veux que tu commences à parler à ton homme intérieur. Je sais que beaucoup ici ont des liens dans leur vie, des choses qui parlent contre vous. Et le Seigneur donne cet enseignement, ce message, pour qu'il y ait une véritable délivrance qui se fasse dans vos vies. À partir d'aujourd'hui, les enfants de la maison du bâtisseur, toute forme de transfert d'iniquité est brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que tous les liens qui vous minaient, tous les liens qui vous contenaient, tous les liens qui vous retenaient en arrière sont brisés au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce, l'abondance, la faveur, la prospérité, la grâce, la bénédiction, la démarcation, la distinction au nom puissant de Jésus. Et je viens contre tous les esprits mauvais qui agissaient dans les familles. Je déclare et je décrète que tous les esprits qui sont liés au nom de famille que tu portes, ces esprits n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de droit légal sur toi au nom puissant de Jésus. Je viens contre tous les esprits de mort qui agissaient dans les familles. Et si un esprit avait prévu de te détruire avant le 31 décembre, je déclare et je décrète que la confusion vient sur lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que tous les autels qui parlaient contre toi sont renversés au nom puissant de Jésus. Aucun autel ne tiendra, aucun autel ne restera debout, parce que l'autel de Jésus-Christ parlera maintenant plus fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la révélation maintenant prenne place dans ta vie, que la révélation maintenant agisse, que la révélation travaille au nom puissant de Jésus. Lama soto lo kebra satana baba. Libro suka le keda la baba senda lende le bosa libra sande le bosa li kana la baba sete ma le bro suka mama ma sete e bosa. Tous les gènes qui avaient été transmis par les liens du sang, je déclare et je décrète que ces gènes sont brisés, que ces gènes sont asséchés au nom de Jésus. J'appelle une restructuration de tes gènes. J'appelle une restructuration de ton homme intérieur. J'appelle une sanctification, une restauration complète de ton âme au nom puissant de Jésus. Malabra suko le kete le baba lende le bosa lena la mama suke la masuka le kabrasando likata la maseta.
La masuka, le kete le baba sote. La masuka, la masota, le delebo suka, la masuke, le deleba sandelebosa, le kata la baba sete. À partir d'aujourd'hui, la délivrance s'installe dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, les autels ne parleront plus contre toi. À partir d'aujourd'hui, tous les liens qui maintenaient ta famille en arrière, toi-même et tes enfants, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Sois libéré de toutes les addictions au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je libère, libéré, oh, libéré. Je le déclare sur ma vie, ma destinée. Libéré, Malakata lebrosuka. Libéré, je suis libéré, libéré, libéré par le sang de Jésus-Christ. Libéré, libéré par le sang de Jésus-Christ. Parole vient et elle libère. Libéré. La parole vient et elle détruit les jougs. Libéré. La parole vient et elle renverse les autels. Libéré. La parole vient et elle renverse les autels démoniaques. Libéré. La parole vient et elle condamne l'ennemi. Libéré. La parole vient et elle restaure ton âme. Libéré. Dieu libérateur qui vient de parler. Libéré. Par la puissance de la parole prophétique. Libéré. Sois libéré dans ton homme intérieur. Libéré. Oh, libéré. Maketo lubro su kataye baba. Libéré. Par la puissance du Saint-Esprit. Libéré. Par la puissance du sang de Jésus. Libéré. Je le déclare et je le décrète. Libéré. Makati le bros sous kataé. Libéré. C'est ma prière. Libéré. Aucune famille ne restera dans la servitude. Aucune famille ne restera dans l'esclavage. Libéré. La puissance de la parole libère. Sera derrière parmi nous. Libéré. Je viens contre toutes les réclamations d'hôtels. Je déclare et je décrète qu'ils sont libéré. Renversés. Alléluia. Makete le bros suka. Le kamasande le bros suka babasete. Le kababasete le bros. Alléluia. Alléluia.
Dis avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci pour la révélation. Je déclare et je décrète que tous les transferts d'iniquité qui ont eu lieu dans ma vie et qui agissaient encore, au nom de Jésus, ils sont stoppés. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré de toute forme de servitude, au nom de Jésus. Quelle que soit la réclamation d'autel encore présente dans ma vie, au nom de Jésus, je la stoppe et je renverse tous les autels qui parlaient contre moi. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que toutes les iniquités de mes ancêtres, de mes parents, de mes arrière-grands-pères et arrière-grands-mères qui agissaient encore dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je coupe les liens au nom de Jésus. Tous les liens sataniques et ancestraux qui parlaient contre moi et sur mes enfants, au nom de Jésus, je suis repositionné et je coupe ces liens au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je déclare et je décrète que tous les liens qui me liaient à des addictions, au péché, au mensonge, au nom de Jésus, je coupe ces liens. Tous les liens qui me liaient à l'adultère, à l'impudicité, au nom de Jésus, à l'alcool, à la drogue, à la convoitise et à l'impudicité, à la fornication, au nom de Jésus, je coupe ces liens. Je déclare et je décrète que tous les esprits familiaux qui agitaient encore dans ma famille, dans mon mariage, dans mon foyer, au nom de Jésus, je les mets dehors, je les chasse, au nom de Jésus. Tous les liens ancestraux qui me liaient à l'iniquité de mes pères et de mes ancêtres, au nom de Jésus, je suis repositionné et je coupe ces liens. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que toutes les personnes avec qui mon âme s'était attachée dans le passé, au nom de Jésus, je coupe ces liens. Et à partir d'aujourd'hui, je suis lié à Jésus-Christ seul, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que le sang de Jésus, qui parle plus fort que le sang de Abel, coule dans mes veines, coule dans mes veines. Seigneur, restructure tous mes gènes, mon homme intérieur, et par la puissance du sang de Jésus-Christ qui coule en moi, au nom de Jésus, je suis repositionné, 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 repositionné pour la bénédiction, repositionné pour la grâce, repositionné pour la prospérité, repositionné pour l'abondance, repositionné pour le succès, repositionné pour la réussite, repositionné pour la distinction, repositionné pour la démarcation, repositionné pour la grâce, pour la promotion, pour l'élévation. Au nom de Jésus, je le déclare et je le décrète. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise amen. Amen. Amen.
J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connecté à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. I wanna run, oh.